Alors oui, du coup je me suis complètement paumé dans ce que je disais. Donc oui, on va juste faire en fait ici les enregistrements échos. Une quête qui est à côté. Et on va se quitter là, tant pis, ça fera que j'aurai que deux vidéos. Ah. Putain, c'est super chaud à réussir ce soir à chaque fois. Quoique c'est pas nécessaire, c'est vrai que j'ai passé par là, est-ce que je vais me prendre la tête moi? Ah, quoique si, il y a un coffre rouge, ce serait intéressant de le faire quand même. Même si ça sera pas à mon niveau du coup, mais. Et bon. Ouais, je vais être un peu plus lourd. Alors, est-ce que c'est relatif au personnage ou pas? Je sais pas, parce que normalement, sur cela, je réussis beaucoup mieux avec Nisha en fait. Ah, oui, c'est vrai. Alors, ceux-là, ils sont super chiants. Le mieux en fait contre ces machins, comme ils sont bien gros. C'est un fusil à pompe Hyperion, parce que du coup vous avez une précision infernale contre ces machins. Et vous faites d'énormes dégâts quoi. Grosse course sur sa gueule, lui. Il m'a rapporté ta quête d'XP. Ok, tu peux sortir de la lumière, s'il te plaît. Tomber dessus comme ça, mais comme une fleur en plus. Et c'est bien aligné dans mon viseur. Enfin bon. Allez. Bon. Attendez, ça, il commence à me saouler un petit peu. Hein? Alors, la précision, dégâts coups critiques pour 50%. Ouais, c'est pas trop trop dégueu. Pour du niveau 8, on va dire. Par contre, que. Voilà. 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 Fait chier pour les pierres lunaires. Ah, pierre brunale. Alors, viens voir, toi. J'ai rien vu de spécial. J'ai pas dû bien comprendre le truc. Bon, ma personne qui m'a dit ça, ils ont oublié le nom parce que je rappelle que moi, niveau nom, je suis une tâche. Je suis vraiment très très mauvais. Il y a quand même une bonne cadence, ça va, sur ce truc. Bon, faut dire que oui, c'est vrai qu'avec la capacité qui augmente la vitesse de tir de 30%. Pas de bêtises. Si j'ai de bons souvenirs, ça aide quand même à ce que ça marche bien. Alors. Ouais. Bof. Bah, bon, j'aurais essayé. Moi, je n'avais pas regardé le niveau auquel c'était ce truc. Parce que c'est sûr que s'ils sont niveau 8, c'est normal que ce soit pas très très ouf, quoi. Là, ça fait quand même plaisir que de m'être débarrassé du. D'accord. De la quête des armes blanches. Ça aurait été vraiment chiant pour vous à regarder, sinon. J'ai eu un coup de bol en plus de tomber sur cette arme qui équivalait 15 000 sur ma partie en game plus. Complètement épique. Il y a des gens qui écriront des chansons sur ça. Ah, le gamin a du tempérament, mais ça ne lui servira à rien s'il n'arrive pas à trouver un ballon.
Voilà, alors, petite quête, pas très compliquée. Mais qui veille d'un chien en deuxième phase, vous allez voir. En direct des parquets. C'est l'heure. J'ai l'intention de réussir le plus épique de tous les slam dunks de l'histoire. Mais je trouve plus mon ballon porte-bonheur. Tu pourrais m'aider? Voilà, donc en gros, il faut trouver le ballon du mec parce qu'il va faire un dunk de l'enfer sur ce panier. C'est ça l'idée. Le truc c'est que vraiment ce qu'on va devoir faire après ça va être d'un chien, mais d'un chien. Après avec un peu de bol je réussirai du premier coup, j'espère, parce que sinon vraiment c'est... L'eau de nous est fou, devine lequel. Allez, pointez-vous les connards. Je crois que les balles du chasseur de l'arche mettent une sacrée pression sur la tronche de ce sale type. C'est le jeu qui veut ça, tu sais. Faut y aller à fond, tout donner et prendre ce qui t'est dû. Le chasseur de l'arche a trouvé ton ballon, Dunks. Excellent. Beau travail d'équipe. Rapporte-le ici et on passera aux choses sérieuses. Voilà. Puis là-bas, c'est le truc d'entraînement de je ne sais plus trop quoi. Centre d'entraînement abandonné, je crois. Si je me souviens bien du nom. C'est une arène. C'est une bête arène. On va pas se casser le cul avec ça. En plus, elle fait pas grand-chose de très intéressant. Attention maintenant. On rigole plus. Dunk se prépare. On va voir s'il peut monter assez haut pour réussir ce que les scientifiques ont qualifié de slam dunk ultime de l'apocalypse. C'est parti! C'est l'heure du Dunks Watson a sauté tellement haut qu'il est sorti du champ de pesanteur d'Elpis. Un vrai jour de gloire pour le basketball, mais aussi pour l'univers. Voilà. Elle a complètement raté, c'est à vous. Maintenant que Dunks nous a quittés, il nous faut un nouvel athlète pour prouver sa puissance au monde. Voilà, donc du coup, c'est à nous de faire un dunk. Fantastique! Pas besoin de ballon, contente-toi de sauter et de retomber avec violence sur ce cercle pour réussir le dunk le plus héroïquement épique de l'histoire. Et si tu pouvais faire ça en proie aux flammes, ce serait encore plus ultime. Et je ne veux voir qu'une seule personne sur le terrain à la fois. La gloire de ce moment est livrée en emballage individuel. Voilà. Le délire du truc, c'est donc de sauter ce machin et atterrir sur l'anneau du panier de basket. Bon, je reçois un SMS. Et ben, ça va être super chiant parce qu'on saute super haut et donc du coup, c'est compliqué de viser. On va essayer quand même de faire le truc du. Voilà. Et voilà, j'ai raté. Je m'échauffais juste. Et le truc qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de revenir pour lui dire « Ah, je veux retenter !» Donc là, on est en feu. En fait, maintenant, ça sert plus à rien d'essayer. Ah bah, dis donc. Je vais me faire flaguer la musique, je le sens gros comme une maison. Wilhelm, c'était tout simplement le plus beau moment de basket que j'ai jamais vu. Quel est ton secret? C'était surtout un travail d'équipe. Je dois te remercier et remercier Dunks Watson. Et puis surtout, remercier mon dieu vivant, le policier robot tout puissant. Tout ça, c'est grâce à ses conseils. Des paroles sages de la part de l'athlète le plus incommensurable de sa génération. Reviens me voir quand tu voudras.
Voilà. On a eu du bol, hein, j'ai fait facilement. Ça peut durer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Hein. Ça peut être une vraie misère. Donc bah, au final, on fera pas la quête principale. Ouais. C'est bien con. On a juste récupéré le stingray, ce qui est déjà pas mal. Parce que vraiment, je commence à avoir ras-le-cul du buggy lunaire, quoi. Le buggy lunaire de la misère. Parce que comme le stingray est toujours en... C'est pas en lévitation. Ça pose pas de problème le revêtement du sol. S'il y a des boss et tout. On s'en fout un peu. Ça le fait pas sauter de 4000 pètes de haute comme ça gratuitement. C'est ça l'avantage. Allez. Bah, lui il est encore là. Il est encore là en train de sécher. Alors c'est bon, je suis tout. Alors j'espère que ça va pas bugger les enregistrements audio. Parce que la dernière fois que je l'ai fait, en fait, il y a une espèce de bug bizarre. Putain, niveau 6 le truc, mais faut que je le vende, il me sert plus à rien. J'ai eu une espèce de bug en fait, et ça m'a pas donné l'enregistrement en fait, ça m'a juste mis le succès. Donc je suis auto-gelé la gueule. Oui, bien sûr, ça va être vachement utile de faire ça. Il y a longtemps de ça, mon père m'a acheté un chien. C'était pour me distraire des colères de maman. Je l'adorais, ce chien. Il venait avec moi à l'école, je le portais sur mes épaules. Je le serrais dans mes bras quand maman s'arrêtait de crier et de grogner et de frapper. Et puis, on s'endormait comme ça. Voilà, alors le premier enregistrement, le deuxième il est... Ouais, par ici. Non, ouais, je vois rien de spécial quand je le bute en corps à corps. Bon, ça me fera déjà 20 minutes. Ouais, bah dans ce cas, de toute façon, j'aurais même pas eu le temps, même si j'avais pas été interrompu, pour qu'on me donne des choses à faire. Fait chier quand même. C'est le matin, c'est le moment que j'utilise pour faire les vidéos, et je peux pas être tranquille. Déjà que c'est compliqué des fois le matin quand même d'enregistrer dans de bonnes conditions. Enfin, dans un bon état d'esprit. Je veux dire par là, être bien réveillé, quoi, être dans de bonnes conditions. Quoi qui a fait un espèce de truc d'acide sur la gueule? Pas important. Attention, entrez dans une atmosphère positive. Ah oui, merde le con, j'ai oublié de faire ça. Ah, qu'est-ce qu'en fait? Voilà. En fait, donc oui, ici, il y a donc une porte électrique. Bonsoir. Donc voilà, il y a un portail électrique, et en fait, ce portail électrique est un peu spécial, puisque il faut... Oui, qui c'est qui m'emmerde? Il faut activer, ou plutôt désactiver, trois plateformes. Il y a trois interrupteurs à mettre en route pour pouvoir accéder à la zone. Et en fait, j'en connais qu'un qui est juste là. Alors je sais pas si en fait ils sont répartis dans toute la zone les trucs. Ou juste dans le coin. En tout
quoi, parce que j'ai beaucoup cherché dans le coin et j'ai rien trouvé. Enfin, j'ai rien trouvé, j'ai trouvé que celui-là de l'interrupteur à couper. Et j'ai pas pris le temps de regarder sur internet comment est-ce qu'on faisait pour les autres. Ok, y a que de la merde. De toute façon, j'ai l'inventaire qui est plein. Vous voyez, j'ai activé la plateforme et maintenant il y a un des trucs qui est vert, donc il m'en faut encore deux autres. Et j'ai fouillé toute la région, là, toute l'espèce de petit village, je sais pas comment appeler ça. Mais pas moyen de trouver. T'as eu du bol, toi. Pour ceux aussi qui se demandent peut-être les autres différences avec le Game Plus. C'est juste au niveau de l'histoire comme ça. Et il faut savoir qu'il y a aussi de nouveaux ennemis, de nouveaux types d'ennemis. Par exemple, au lieu de brutal, on a régulièrement des brutales, très régulièrement des brutales. Et du coup, les brutaux sont remplacés par des super brutales. Un jour, mon chien s'est fait mordre par une frénéronce cachée dans des herbes hautes. Ses yeux sont devenus rouges, ses babines bleues, mais sinon, il était normal. J'ai pensé qu'il était immunisé. Que j'avais eu de la chance pour une fois. Vous êtes minable. Vous avez l'air d'avoir chaud. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, en fait, on aura fait tous les enregistrements de Nisha. C'est vrai que le troisième enregistrement, il faut que je déclenche la suite de la quête principale. Bah, ça vous fera un petit teaser. Hey, Jack, c'est ça? Moi, c'est Roland. Moxie m'a contacté. Il paraît que t'as besoin d'aide pour construire des robots. Ma collègue Lilith et moi, on a repéré des vieux bâtiments industriels de Dal dans le coin. En y jetant un coup d'œil, on résoudra peut-être ton problème de matériel. On me tient au courant. Super, contactez-moi quand vous aurez trouvé quelque chose. Ça fait vraiment bizarre de voir Roland en train de collaborer avec, avec le Jack, quoi. Alors, donc, on arrive à un point de contrôle. Je vais m'arrêter là, mais en fait, c'est vrai que comme du coup j'ai fait les deux premiers enregistrements, ça serait con de pas faire le troisième. Et le troisième, en fait, il est là-bas. Avec Pickles, ce qui va lancer la suite des événements. Mais ouais, ça vous fera un petit teaser comme ça. De toute façon, il y a une vidéo tous les jours, normalement. J'essaie de refilmer quand même cet après-midi, au moins le début de la quête principale. Pour que vous ayez pas trop longtemps à attendre non plus. Enfin, pour être tranquille, on va dire. Bon sang! C'est vraiment génial ce qu'ils ont là-bas! Pickle, seule fripouille, sacré vaut rien. Si t'y mets le prix. On le verra quasiment en permanence avec le scaphandre. Enfin, on le verra tout le temps avec le scaphandre. La seule fois où on le verra sans scaphandre, ce sera en haut à droite pour les trucs de radio. C'est pas très malin, je trouve. Content de te rencontrer. Parle. Springs m'a dit que tu cherchais une IA militaire. Enfin, c'est ton jour de chance. Tu devrais pouvoir en chourer une sur le Drakensberg. Il paraît que le maître d'équipage et la capitaine qui tiennent l'endroit collectionnent les intelligences spécialisées dans l'art de l'artifice. Le problème, c'est que tu peux pas vraiment débarquer là-bas et leur demander de te filer une IA. Je suis presque sûr que je peux. On a de l'orgueil, hein? Très bien. C'est un duo dangereux, mais peut-être qu'ils te laisseront monter à bord sans rien dire. J'indique le chemin le plus direct sur ton système écho. À vrai dire, j'ai cette épave à l'œil depuis un moment. Et tu me permettrais de faire un peu de shopping en allant l'inspecter un peu. Voilà. Donc en gros, pour aller l'IA, on va essayer d'aller sur ce vaisseau d'Al qui s'est écrasé il y a longtemps de ça. Et donc choper une IA militaire en affrontant une capitaine et son second. Je sais un peu exactement les rôles. Donc une espèce de Wally machin. Enfin, si vous regardez bien, comme c'est un gosse, il n'y a que des trucs de gosse. Genre il y a mes gâteaux bogans de la mort là qui fait des serpentipantins.
Avec cette télé, son cinéma et tout. Ah, on va peut-être prendre l'enregistrement de Nisha. Avant de l'oublier. Cette nuit-là, maman a fait comme d'habitude. Elle m'a lancé un verre dessus. J'ai essayé de l'attraper. J'étais devenu plutôt doué à ce jeu. Mais il a rebondi sur ma main avant de retomber sur le chien. Pas assez fort pour lui faire mal, mais... Ses yeux sont devenus encore plus rouges. Ses babines étaient d'un bleu plus intense et pleines d'écume. Et puis, il m'a sauté dessus. Il a planté ses crocs dans mon cou. Par-dessus mes cris, j'entendais papa qui gémissait, le chien qui grognait et ma mère qui riait. Quand papa eut fini de me soigner, j'ai pris une pelle et j'ai défoncé le crâne du chien. Voilà, ça, je trouve que ça manque d'un quatrième enregistrement quand même. Donc là, encore un petit faux robot. Ouais, je trouve que ça manque d'un... Il manque quelque chose. Je trouve que l'histoire est pas finie. Je trouve qu'il manque clairement quelque chose. Est-ce que je garde ce truc? Je sais pas. Ça, par contre, ça vaut pas le coup. Je le vends. Ça. Je vends. Vends. On va garder. C'est bien quand même d'avoir d'explosif. Oh, j'ai déjà fusil d'assaut explosif. Comme actuellement, j'ai pas de fusil d'assaut intéressant. J'ai pas de fusil à pompe très intéressant. Très intéressant non plus. Parce qu'il est pas mal quand même en plus, celui-là. Ah, il y a de la place. Alors, du coup. Oh, allez, je revends le fusil à pompe. Ça, je vais le garder quand même, on sait jamais. Il y aura un peu de zone d'oxygène quand même dans la... Ouais, c'est après une bonne heure de jeu quand même, une fois qu'on sera arrivé dans le vaisseau. Enfin, dans l'épave du vaisseau. Donc ça pourrait être utile. Sortez max régénérique de santé. Ça pourrait être intéressant, ça, en fait. J'ai quoi actuellement, moi, comme mode? Cadence de tir et le chargeur. Ah, c'est quand même bien, la cadence de tir. Peut-être un chargeur bouclier... Hein? Évitons tout malentendu. Oui, la plupart... Très gêne de vie, oh, quoique... Pour l'instant, ça se passe très bien, niveau régène. Capacité bouclier et chargeur... Pour 1300, ça vaut rien. Bon, allez. Ouais, allez. Donc voilà. Donc j'ai me renseigner sur ce bouclier là tout de suite. De toute façon, ouais, j'ai encore beaucoup de temps avant de. Oh, quand même, j'ai moins de 10 minutes. Donc voilà, ouais, c'est un petit peu compliqué. De toute façon, en fait, j'aurais pas pu faire grand chose, donc c'est pas plus mal. J'ai vraiment commencé la vidéo trop en retard. Donc n'oubliez pas de faire vos achats de Noël, les gens. Hein, c'est très important. Faites-les pas dernière minute, à moins d'avance, c'est plutôt bien. Et puis, ça fait toujours plaisir d'offrir un cadeau. Un cadeau qui marche, quand même. Hein. Faut le dire. Ok, donc je sais pas pourquoi il y a un truc qui m'a perturbé. Donc voilà, dans le prochain épisode, on ira donc par ici, par de là-bas. Pour essayer d'accéder donc à l'épave de ce vaisseau, le Drakensberg. Non, un peu bizarre. Pour essayer d'y trouver une IA artificielle. Une IA artificielle. Mais bien sûr, bah oui. On va essayer de trouver une intelligence artificielle. Oui. Une intelligence artificielle militaire, voilà. Donc, bah, je vous dis à plus tout le monde. Mangez l'épave, violez-les, portez-vous bien. Vous passez sur Facebook et mon Twitter si ça vous éclate. Pensez à la petite j'aime si vous avez aimé les vidéos. Ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à grandir et ça motive. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous avez un petit quelque chose à dire. Voilà. Allez, salut!